Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 275 de mon Let's Play sur le jeu Les Royaumes d'Amalur, Ricknokning. On est à la saison 7, nous sommes en Alabastra et nous sommes pas très très loin de la forteresse de Baile, là où se terre Gadflo. Mais avant d'aller trucider le grand méchant Babo, nous avions pu rencontrer des maîtres forgerons, des maîtres créateurs à Canrané, qui sont pris sous l'emprise d'une grande méchante chevalière sorcière, et avec leurs pouvoirs réunis, nous allons pouvoir la vaincre. J'ai déjà une épée, j'ai déjà une gemme de légende, mais il m'en faut plus, et je dois trouver un champignon pour aller aider la suicidaire du moment à ne pas se suicider. Ce qui paraît logique. Et donc on continue notre périple épique dans cette magnifique contrée d'Alabastra. Parce que même si c'est une région qui est ravagée par les Tuata, c'est super joli. Dans leurs chants et leurs psaumes, ils la vénèrent dans leur chapelle, tête baissée et mains vers le ciel. Fier de verser le sang en son nom. Salut bitches! On porte toujours la moustache? Hein? Vous ne connaissez pas? Oh yeah! Je suis le gardien du cerceau magique! Celui qui va enchanter! Oui, enchanter! Vos doigts de pied! C'est un massacre! C'est un massacre! Le prochain qui dit que jouer au cerceau c'est pas bien et que c'est pour les filles, je lui défonce sa maman. Voilà. Les cerceaux magiques, ça fait tout. Ça fait toute la différence, mes amis. Y'a un petit coffre par là? T'es pas de petit coffre par là? J'ai raté un coffre, mes amis. Ouais, je suis pas certain, j'ai pas décidé encore de mourir, je suis vraiment navré. Je préférerais encore survivre un petit peu, ça serait plutôt cool. Voilà, tu vois. Oh, joli. Mais tu es mort par mon poison insigneux. Ah, non, 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 ouh, là j'ai failli faire des bêtises. Ah, j'avais oublié que vous êtes timide, c'est ça. Vous êtes tous les deux, vous savez pas tirer. Hein, c'est... Vous voulez pas tirer l'un à côté de l'autre. Hein. Regarde, bon, je vais t'aider, je vais tuer celui-là, tu vois. Tu vois, ça va mieux, hein. Je sais que ça va mieux. Je sais, je connais, c'est difficile de pouvoir faire des choses devant les gens, de prendre la parole devant des personnes. Je comprends que tu sois désappointé, ma pauvre. Je comprends parfaitement, mais il faut surpasser ça. Vous êtes quand même les grands méchants de l'histoire. C'est un truc de fou, hein. Les Tuata qui peuvent pas faire leur travail tranquillement, sous peine de décéder. Les Tuata grondent dans l'Est, faisant trembler les voix célestes. Ils se battent pour Gadflo, le traître. Et oubliant tout de la paix d'hier, ils massacrent même leurs frères. Ah, c'est des Tuata aussi, hein. Faut pas trop leur chercher. Ils sont complètement teubés du ciboulot, donc... Ceci explique cela. Ok. Toupidoupidou. Alors, il y a une grotte, mais ça on la garde pour le prochain épisode. On n'y va pas tout de suite. Non, voilà, parce qu'on a déjà une quête en cours. Donc on n'y va pas tout de suite, mes amis. Dans ce bassin de Prismele. Ils ont laissé seuls et désespérés, au milieu des plaines désolées, ou abandonnés dans les montagnes, avec la faim pour seule compagne. Et pour toutes ces peines, vous les avez remerciés. Ok. Ouh, joli, ça c'est une embuscade. Ça c'est une embuscade, ça c'est une embuscade comme on les aime. Qui c'est qui veut commencer à jouer? Allez. Ouh, nous avons un gagnant, bravo. Ah, désolé madame. Oh, presque. Oh, monsieur a touché, bravo. Il a gagné 10 points.
Hé hey, Jean-Louis, il faut pas. Qui c'est qui continue? Allez, hop, j'attends. Oh, mais c'est toujours la même. Bravo. Pour la peine, tu as gagné le droit d'avoir un tour gratuit. Désolé, madame. Ah, ça va pas du tout. Bon, on a nos amis les archers qui sont un petit peu timides, hein. Voilà, ils sont... Que voulez-vous, c'est... ils sont timides, les pauvres. Ils en peuvent plus, ils en peuvent plus, ils veulent pas, ils veulent pas, hein. C'est terrible. Voilà, je les ai libérés de leur fade. Oh, les pauvres Touattes, quoi. Les pauvres Touattes. C'est pas de ma faute s'ils sont débiles. Ah, mais on trouve des trucs de malade. Plus 100 en capacité de puissance. C'est juste monstrueux. Plus moins 15% de conditions d'équipement. La force de son porteur, elle lui permet d'utiliser plus facilement des armes lourdes. Ah, c'est bien, mais sans plus. Au début du let's play, ça aurait été intéressant. Là, maintenant... ouais, voilà, quoi. Oh, il y a des Morganes. Je n'aime pas les Morganes. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Morgane. Alors, j'ai pensé à ça, en fait. J'ai pas utilisé mes pouvoirs du destin contre cette bestiole. Voilà. Cette bestiole est horrible, cette bestiole est affreuse. On va pas là. Ah. Ok, ok. Vous savez, vous faites mal quand même, hein, les gars. Oh. Meurs, meurs, meurs. En fait, cette épée, elle est quand même pas mal. Je trouve. Elle fait l'office de beaucoup de dégâts. Ce qui est pas mal. Ce qui est bien. On va pas lui reprocher ça. J'ai eu des épées bien moins puissantes que celle-ci. Hein. Clairement. Je peux juste regretter, c'est son design qui est standard. En gros, c'est la première épée que vous pouvez forger, bah, c'est celle-là. Ils auraient pu faire quelque chose de plus intéressant, quand même. Alors. Les champignons. C'est où les champignons? Y'a pas de champignons. Ah. Trouvez les champignons. Et comment qu'on fait pour grimper là? Sûrement parce qu'on peut sauter d'ici. Ouais, on peut sauter d'ici pour arriver ici et du coup on sort par ici. Ok. Bon, Agart, hein, les gars, vous préparez l'armée. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Tout est maîtrisé. On gère la fougère. T'es pas où le chemin? Je suis perdu dans cet endroit. J'étais obnubilé par les cristaux qui volent et qui tournent. Je trouvais ça très joli. Dans ma tête, ça faisait... Oh, le cristaux. Oh, il est beau, le cristaux. Pas ce genre de trucs, vous savez. Allez. Bon, Kiftal, Kiftal. Ma belle, arrête de vouloir décéder.
J'ai ton champignon. Du sorogus ? Oh, merci. Merci. Ah, maintenant je vais pouvoir en finir avec le mal. Avec le mal ? Prendre mon mortier et mon pilon pour le sorogus. Une pincée de poudre, une larme de potion. Voici la potion. Buvez-la et vous pourrez abaisser la barrière magique d'Anira. Tuez-la, mortel. Mettez fin à cette folie. Ok. Ok, parle-moi de Kanrade. Je me sens déjà plus en sécurité ici, en sachant qu'il y a quelqu'un pour faire ce qui doit être fait. Très bien. Et la sorcière ? Elle est aussi dure et cruelle que la lance qu'elle brandit. Tout le monde ici la craint. Bon, déjà, elle fait pas de magie, c'est tant mieux. Oui, vous pouvez utiliser cet établi pour en concocter si vous le désirez. Vous avez gagné notre confiance à tous les trois. Je vous en prie, utilisez ça et ce que nous vous avons offert pour éliminer la chevalière sorcière. Ok. Elle est où la barrière ? Tout près d'ici. Elle est imposante et infranchissable. Vous ne pouvez pas la rater. Je crois que je l'ai déjà vue. Regarde. Et tu es là prestement. Ok, pas de soucis. À bientôt. Avec plaisir. Faraglen ? Faraglen ? Alors, toujours à vous démener, mortel ? Et ouais ! Et ouais, mec ! Vous avez gagné notre confiance à tous les trois. Je vous en prie, utilisez ça et ce que nous vous avons offert pour supprimer la chevalière sorcière. Si tu veux, mon bébé ! Hein ? C'est qui le patron ? Bah, t'es moi, voilà. T'es moi, je vais voir Belné juste pour qu'il me... termine de me dire « Oh, vous avez la confiance de tous les trois. Allez tuer la chevalière sorcière Anira, s'il vous plaît. Oh, patati patata. » C'est pas par là. Je suis perdu, moi, c'est un vrai dédale, cet endroit. Je suis navré. Tous les couloirs se ressemblent. C'est toujours pareil. Cette salle, j'aime beaucoup, hein, cette salle. Le fait d'avoir des cailloux qui volent avec le vitrail là en premier en fond, c'est juste magnifique. Bonjour, bonjour. Tic 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 tic. Ok. Un autre être. Ça te combat les amis. Chevalière sorcière Anira, ton règne de terreur est terminé. Je suis venu libérer les maîtres créateurs. Et grâce à cette épée magique qu'ils m'ont concoctée, vous allez tous crever. Je vais d'abord tuer ton escorte parce qu'il commence à me fatiguer. Vas-y, arrête de te moquer de moi. Prends part au combat, s'il te plaît. Fais pas comme si tu t'en foutais de ce que je racontais. C'est vrai? T'as une voix un peu bizarre, madame. Voilà. Bon, maintenant on peut combattre tous les deux. Il est temps, mortel. Eh ouais, il est temps pour toi de rejoindre le Sith, de rejoindre le Dieu sous la montagne, et de libérer les maîtres créateurs. Si t'arrêtais de me frapper, ça serait mieux. Voilà. Gagné. Ya. Et en plus, t'as rien, t'es tout pourri. Je te félicite pas, hein. Être un boss, être un grand méchant, bon, qui n'a pas une barre rouge comme les autres gros méchants. Mais quand même... T'aurais pu me filer des trucs plus intéressants. Voilà. Oh, c'est le coffre-fort, salut! Je suis là pour piller! Raté! Allez mec, j'ai tué la sorcière Anira, le chevalier sorcier Anira. Vous êtes que des sacs d'ours invoqués par une maîtresse décédée. Vous ne valez rien. Pépé est plus fort que vous tous réunis. D'ailleurs, faudra que je le rappelle. Je pense qu'il s'est assez reposé. Il me manque. Vous allez lui laisser ce message. Blarkan arrive bientôt avec Pépé. Allez, couchez. Bon, qu'est-ce que j'ai gagné ? Truc tout pourri. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Truc tout pourri. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Ah, là c'est mieux. Plus 20% dégâts le jour, plus 2% de régénération de mana par seconde, plus 100% de persuasion. Oh ouais. Ouais. Voilà.
T'es moyen. T'es très moyen, t'es très moyen, t'es très très moyen. Bon. Et ben dans tout ça, on va aller revoir les copains, on va leur dire vous êtes libres, rejoignez la guerre à Alpha et travaillez pour nous plutôt que travailler pour cette chevalière sorcière de mes doigts de pied. Faraglen, es-tu là ? Toujours à vous démener, mortel ? Eh, elle est morte ? Hein ? T'en penses quoi ? Bonjour. Alors c'est fini ? Je suis libre ? Absolument ! J'ai du mal à réaliser. Cela fait si longtemps. J'ai passé tant de temps à attendre la mort. Et maintenant tu peux vivre. Toutes nos ressources se trouvent dans ces ruines. Nous allons peut-être rester un peu et voir ce que nous pouvons devenir. Prenez ceci en gage de notre gratitude. C'est de la part de nous trois. C'est gentil. J'ai l'impression que les ténèbres ont déserté mon esprit depuis la défaite d'Anira. Je vois plus clairement que jamais. Je vais pouvoir utiliser mon don pour soigner à présent. Eh ben super. Vous avez transformé en demeure ce qui n'était pour moi qu'une prison. Nous allons rester ici, dans notre nouveau chez nous. Pour faire ce que nous faisons le mieux. Surtout, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin de nos services. Absolument, madame, ça sera avec plaisir. Bon, Faraglen, t'as un petit truc à me dire, genre merci, merci. Alors, toujours à vous démener, mortel. Ouais, toujours une tête de cul aussi. Oui, oui, c'est assez difficile de répondre. Apparemment, Kiftal va rester pour créer des choses utiles. C'est tout ce qu'elle désirait faire depuis qu'elle était ici. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, mortel. Peu de gens auraient fait ce que vous avez fait pour elle, et pour nous tous. Qu'est-ce que tu veux ? C'est la loi des séries. Cette issue n'est pas pour me déplaire. Et je vous remercie. Elle ne viendra plus se mêler des affaires des maîtres créateurs. Toi, c'est juste ça, en fait, qui t'embêtait. C'est assez troublant. Je me sens comme connecté à cet endroit, à présent. C'était un calvaire d'être obligé de rester ici, mais maintenant qu'Anira n'est plus, eh bien, il se peut que je trouve du réconfort ici. Bah, t'es bien, je suis content, bon. Tant que tu travailles pour nous et pas pour Gadflow, personnellement, je suis plutôt content. On va aller voir Belné et on va refaire le tour du donjon pour bien le terminer. Hé Belné, tu es libre maintenant. Concocte-moi des nouvelles armes épiques et des armures aussi. Hein. Faut vraiment tout faire péter. Bientôt, oui, bientôt, je pourrai à nouveau marcher sous la voûte céleste. Ouais, comme tu veux. Ah bah tiens, attends. Encore merci à vous. Hop là, voilà. Voilà. Avez-vous quelque... Ouais, ça c'est bien, t'as fait ton boulot. Et comme j'ai plus de kit de réparation, bah... Ça fait office de Billy. Tic 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 tic. Alors, par où le chemin, par où par là? C'est par là! C'est joli. Ça fait des beaux. T'es très très beau. Ok, mais nous avons... Regardez, une porte secrète. Avec un coffre qui nous attend. Qui a été perdu à travers les âges. Pour tomber... Ouhou. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Plus 40% de dégâts physiques avec un niveau de bas de santé. Plus 10% de voler 30 points de vie par coup. Ah ça va. Oh, ça je prends, j'équipe. C'est bien équipé. Fais péter. Ah ouais, là c'est pas mal. Là, on a 30% de possibilité de regagner de la vie en tapant des ennemis. Youhou! Et quand on a les points de vie bas, bah on gagne en puissance. Donc, ah non, ça c'est le genre de pendentif qui est génial. Ça permet de faire des massacres au dernier moment et d'éviter de crever. J'aime, j'apprécie. Du coup, Kanrané est libéré. Tic, 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 tic. On a une grotte à aller visiter dans le prochain épisode, on va y aller d'ailleurs. On va y aller. On va aller lire la suite des aventures du Blarkan dans les Dents de Naros parce que j'ai oublié la dernière fois.
Il reste deux livres, alors autant en profiter et faire durer le suspense. Et puis, normalement, vous avez vu la saison 6, donc vous savez ce qui se passe. Enfin, ce qui s'est passé. Voilà. Donc, prochaine exploration, cette grotte. Tic. Partons. Partons du côté de la lecture, maintenant. Alors, la fille du Primos. C'est alors que notre héros découvrit que Sekandra était en réalité la fille d'Arkès. Elle avait acquis la sagesse du Primos grâce à lui. Et fort heureusement, elle se souvenait du dernier jour qu'ils avaient passé ensemble aux dents de Narus, au sanctuaire de l'air et de la terre. La malfaisance d'Anokatos était claire à présent. Il avait forcé Sekandra à profaner la tombe de son père et lui avait ordonné de l'accompagner à l'endroit présumé de sa mort, là où Arkès avait échoué. Ce fut une épreuve difficile pour Sekandra, mais elle comprit vite que sa colère envers Arkès n'avait pas lieu d'être. Ce n'était pas lui qui était à blâmer pour les souffrances endurées par son peuple, mais bien le dédain d'Anokatos pour la vie des Colossae. Soudain, Sekandra éprouva une vive douleur alors qu'Anokatos jetait son sort sur le destin des Colossae. Paniquée et craignant qu'il n'y soit arrivé, enfin qu'il ne soit arrivé malheur à Idila, elle quitta Nyxaros en hâte. Idila était intacte, mais la magie du monolithe avait été désactivée. Le seul moyen de s'en sortir pour l'appeler et pour Sekandra était de retrouver les sanctuaires de la terre et de l'air. Ouh, plus qu'un dernier épisode, un dernier bouquin, et on saura ce qui s'est passé aux dents de Narus. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode. Et je vous souhaite tout plein de bonheur. Allez, merci de m'avoir regardé. Bye bye.